question insécurité a et ben bay go qui a sauté en dans pays a et l'autre bord de l'eau. Et la Voix de l'Amérique, service que là t'es parlé avec leader G9 là, Jimmy Cherizier, sous ça, Sandra Lemaire, gain détail. Dans une interview avec la Voix de l'Amérique, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, lance avertissement pour dire situation insécurité en Haïti est capable de déboucher sur une guerre civile. Je dis, hein, illégalité sociale qui est dans le pays, ça. Si nous ne sommes pas contre les gens, le pays a pris les droits de la guerre civile. Parce que nous revenons en phase après 200 ans, nous-mêmes, dans la force révolutionnaire, Genève en famille allemande et tout. Je dis, il n'y a pas une simple bataille pour pouvoir, contrairement avec ça, mon affaire quoi, et bandit ses gangs. Cherizier, un ancien officier force police nationale, que le département Trésor États-Unis ciblé en 2020, comme moun kap komet abidwa moun grave, gen réputation comme un leader gang qui gagne plus influence en Haïti. À chaque fois qu'on a parlé, nous demandons pour moun yo faire différence entre groupe armé et gang armé. Nous-mêmes, dans la force révolutionnaire Genève, famille alliée, nous sommes un groupe armé. Parce que nous-mêmes, dans le quartier par nous, nous gommons contre nèg pour nèg pas faire déjà sou moun, nous gommons contre nèg pour nèg pas vil faire kidnapping dans zone côté nous yo. Et nous dénoncer misère moun bon la ka nous a vivre, je dis à demander aux meilleures conditions la vie pour tout moun sa. Et ça fait nous parer pour nous mourir et nous pas dans bouche nous prêt pour nous mourir, n'a mourir pendant n'a goumé mais n'a libéré peuple ça. Une pire accusation qui a pesé sous dos Cherizier, c'est que l'été planifié à participer dans l'attaque La Saline en 2018. Côté 71 moun t'es perdu la vie, plus passé 400 cas été détruits et cas déjà que t'es fait sous au moins 7 femmes. D'après un rapport de Wamoun qui publié en 2020, gang yo t'es prend victime yo parmi yo Timoun Piti et yo t'es exécuté yo nan mitan la ri. Ça pas gen longtemps, directeur général PNH là, Léon Charles, t'es dit y a traqué bandi yo. Bandi qui voulait faire la loi. Faut que connait déjà c'est des hors la loi que vous voyez. Quelle que soit activité que a essayé faire pour faire mon peu. Rôle la police ça c'est protéger et servir. Rôle la police ça c'est prendre toute disposition pour que bandits retrouvent le côté supposé des barreaux dans prison. Hélène Lalim, représentant et spécial secrétaire général Nations Unies en Haïti, et directrice bureau intégré Nations Unies pour Haïti, BINU, exprimé Kassoteli pour Zak violence qui a augmenté plus chaque jour en Haïti. Insecurity has become rampant in Port-au-Prince. L'idée insécurité a augmenté dans Port-au-Prince, côté kidnapping recommencé et gangs ont pris contrôle plus quartier capital là. Envoyé spécial président Biden pour Haïti, ambassadeur Daniel Foote, qui démissionnait à cause politique États-Unis vis-à-vis migrants haïtiens, dit membre comité de la Chambre des représentants qui travaille sous affaires étrangères, Haïti, c'est un danger. Haiti is too dangerous. Monsieur dit Haïti trop dangereux, insécurité a non seulement affecté capacité pour organiser élection, mais tout la vie quotidienne. Kidnapping pour rançon fin fait partie société a. T'es gain 20 kidnappings nous seul jour n'importe où presque. 20 kidnappings last Saturday and one day. Ministre Affaires étrangères haïtien Claude Joseph dit la Voix de l'Amérique, gouvernement Ariel Henry a gain intention prend mesure pour faire face à l'activité gangue. Donc, il est important pour nous mettre focus sur la détermination du gouvernement pour adresser un ensemble de problèmes, tant que problème qui vient à voir avec gang, violence armée dans la zone populaire, yo, certains quartiers. Mais pour Cherizier, vide pouvoir, c'est une raison que le kidnapping a augmenté. Depuis le président Jovenel Moïse, c'est là, c'est qu'on a un pire kidnapping. Mais avec la mort du président Jovenel Moïse, le phénomène kidnapping n'a pas augmenté parce que nous avons dit l'État a démissionné pour nous pas dire l'État pas existé du tout. Il y a une crise d'autorité dans le pays, ça veut dire pas une autorité. La police là, lui-même en soi, lui en faiblesse parce que le système, là, c'est comme ça le fonctionner, lui affaiblit la police là et que pour le capable de mettre tout politique au profit de eux-mêmes. Et je pense que aujourd'hui, le phénomène kidnapping qui a augmenté,
lié avec assassinat président Jovenel Moïse là, lié avec troubles politiques que monsieur te mette dans pays là, côté que la police complètement absent et monsieur pral profiter de absence la police et que pour yo et avancer avec vague kidnapping là. En gros, on pense que c'est ça qui cause augmentation kidnapping là. PNH annoncé mercredi soir que les remplacer directeur départemental Ouest-là, Alex Pierre-Louis, à commissaire divisionnaire Fresnel Saint-Île, dans le cadre plan et stratégique DG Léon Charles a fait pour jouer une solution pour problème insécurité à. PNH l'a annoncé tout sous compte officiel Twitter LIA que les transférer commissaire principal Pétionville-là, Patrick Rosarion, et les remplacer la commissaire principale là, Caleb Exantus. Pendant une visite en Haïti mardi, sous-secrétaire d'État américain pour sécurité civile, démocratie et droits moun, Ouzra Zeya, t'es rencontré nouveau ministre justice là, Liz Kittel, et li fait connaître États-Unis promettent Haïti un lot $15 million pour aider réduire la violence gang yo et améliorer infrastructure. Secrétaire Zeya rencontré tout DGPNH là Léon Charles pour réaffirmer support département d'État pour démanteler gang violent yo pour qu'a gain stabilité et sécurité pour peuple haïtien. Bandi yo nous sous nous. La police là a cherché nous. La police a privé sous nous. Mais tout pour nous faire, nous besoin d'appui population. Nous sommes un pays qui a des difficultés déjà. Donc, bandits, pas qu'à tout le temps, à ennuyer santé nous, à bailler problème. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra Lemaire. Qu'on y a nous parlé dans Manhattan, puis précisément dans New York, côté plusieurs Haïtiens te paraît devant tribunal après avoir fait désobéissance civile dans une manifestation qui t'est déroulée ça pas bien longtemps là dans New York. Nous sommes sous place depuis Manhattan dans New York, journaliste Valerio Saint-Louis. C'est jeudi vendredi 15 octobre ça que 6 personnes qui ont été arrêtées dans Brooklyn, New York parce que tu fait désobéissance civile, parce que tu as protesté justement pour traitement que tu as bail frère sœur sous frontière Mexique Texas. Jeudi a c'est jour qui ont été paraît devant juge. Nous pas criminels, c'est goumen n'a goumen pour peuple noir. Come on Biden, come on, come on. Là, oui. Côté leadership haïtien New York, pour qui ça y a quitté nous passer misère comme ça. Yo arrêté nous pour qui ça. Gardez pour nous aller pour un ticket pour nous venir dans court aujourd'hui. Juge a supposé annuler ça. Nous avons une raison légitime qui fait nous te bloquer pour Brooklyn. C'était une façon pour nous voyer un message par président Biden pour le bail migrant yo asile tout de suite. Là, ça c'est yo là, esprit yo là, tout moun yo là. Faut que nous respections racine nous n'a pas tant que annuler ticket a et même si faut que nous payer conséquences là n'a fait ça mais cause là c'est juste n'a pas entré et si nous obligé faire 15 jours n'a fait 15 jours comme nous te dit nous pas connaître ça juge après dit mais nous connaissons injustice façon que était haïtien façon que était de l'autre monde différent l'autre monde fait désobéissance civile yo la guerre yo pas faire autre non compte mais nous les haïtiens yo fait nous non seulement yo dit nous que yo pas quitter nous aller yo ka arriver dans vos comptes là yo dit nous a fait 15 jours so, pas gain justice Congress woman député américain Yvette Clark qui a dirigé 9e district là dans ville New York là lui même tout est répondre présent il était venu porter support par I am here this morning in solidarity moi la matin en solidarité avec tout peuple haïtien avec tout haïtien américain et haïtien qui a vivre sur tout territoire national pays américain who are outraged. Moins choqué. Moins choqué pour moi ça qui a passé dans pays États-Unis sous frontière ville Texas. We know that these are refugees. Nous connaît que moun sa yo c'est réfugié qui a cherché la vie meilleure. Seeking a lack of persecution. C'est des mondes qui ont sauvé en bas persécution. Et nous-mêmes peuple américain nous gain habilité pour nous soulager peigno. I am outraged. Moi choqué une autre fois encore ouais que administration président Biden nan, prend mesure ça que il prend pour lui déporter réfugiés haïtiens ça yo. Nan tan ça à côté que nous tous connaît que pays d'Haïti pas paré pour prendre soin réfugiés ça yo. Ça passe là, moun yo me considère comme héros parce que pour sacrifier haïtien là, grand plus moun ka parler, mais yo même yo font action, une action patriotique, une action héroïque.
Yo te paraît journée jodi a devant juge yo et juge a décidé renvoyer cas le 29 octobre prochain dans même tribunal là dans la cour Manhattan. Depuis Manhattan, New York, Valerio Saint-Louis pour la Voix de l'Amérique. Merci Valerio Saint-Louis, n'a prêté toujours dans New York côté Conseil de sécurité des Nations Unies a réalisé yon session côté y a décidé si oui ou non y a renouvelé mandat BINU bureau intégré Nations Unies en Haïti. C'est une session qui a continué parce que depuis hier il y a un débat sous BINU et Jean-Robert Philippe a suivi de très près pour nous. Jean-Robert, et qui ça mène nous là et jodi a nous que eh ben yo voyez et session pour Pita te Kosovo qui était dans là. Jean-Robert, et expliquez-nous fais-nous genèse de parce que à soya à minuit mandat BINU fini. Alors Jacqueline, effectivement et responsable yo en fait yo retardé n'ka di vote qui toujours fait pour qu'on est si ou non il a renouvelé mandat BINU en Haïti pour l'autre année, mais question elle était commencé depuis jeudi et dans conseil là nous connaissons pratiquement Nations Unies et en fait États-Unis les même c'est qui prend et contrôle dossier Haïti à devant conseil de sécurité Nations Unies, donc c'est États-Unis qui s'est amené bac là. Donc États-Unis normalement présente une résolution ça qui sont projet de résolution qui était déjà discuté hier dans le conseil là. Donc c'est surprise là, c'est que la Chine qui semblait pas contente du tout avec sa capacité en pays d'Haïti, eh bien la Chine lui-même lui venait et lui posait question et lui demandait pour que lui pas d'accord à ce que il renouvelle le mandat et BINU pour un an, mais de préférence il même il voulait pour que mandat ça lui ta renouvelé de préférence pour 6 mois, ça veut dire jusqu'en avril ou jusqu'en avril 2022. Donc est-ce que ça veut dire tout que la Chine t'a remis que yo étudié dossier BINU pour regarder les résultats, parce que la Chine toujours dit que grand pile investissement que Nations Unies fait en Haïti, mais yo pas résultat. Effectivement, c'est là tout débat, parce que la Chine qui est censée à couteau tiré avec États-Unis, dans le Conseil de sécurité, nous connaissons même gens États-Unis qui ont droit de veto. La Chine tout fait partie du groupe P5 là, donc c'est même Conseil permanent, 5 membres Conseil permanent yo, qui ont droit de poser veto et empêcher n'importe projet passer. Donc ça veut dire que le fait que la Chine vienne avec dossier ça, parce que nous connaissons que la Chine a dit qu'Haïti est un pays qui déjà charge avec problème, et problème par exemple, assassinat président Jovenel Moïse, l'élection était de fait, l'élection pas qu'à fait. Donc, tout un série de dossiers là qui mettait devant, mettait avec un paquet de dépenses, il dit qu'il fait, et au pas jamais aucun résultat. Donc, il dit qu'il faut que l'autre bail qui fait. Il y a qui dit oui, mais éviter ça, l'ingérence. Et, mais en d'un conseil là même, il y a des qui partage l'idée, mais il y a qui dit tout. Et il y a des quoi que Haïti semblait qu'il faut continuer à répéter dans la tête chaque jour, mais ça, on peut faire, mais ça, on peut faire avec espoir, un jour, la fait. Ça que les deux fait pour payer avancer pour payer devant. Donc la Chine crée la cunia là et c'est peut-être une raison, peut-être qui expliquer et raison ou tant ça, peut-être ça va permettre que États-Unis avec la Chine surtout et chita ensemble essayer de joindre un compromis sous renouvellement mandat ça qui est capable 6 mois, c'est position la Chine, ou bien 1 an qui c'est position États-Unis. Donc ça veut dire Jean-Robert, gagne résolution contre résolution, il y a possibilité pour un troisième pas résolution, mais en troisième option que vous êtes capable de gagner. Oui, c'est ça, une option sauver la face. Mm-hmm. Parce que personne ne parle de ce qui perdu dans le bagage là. Et après, exemple, ça qui est passé dans Kalibi, par exemple, il y a le même problème ça qui est posé. Eh bien, les parties concernées ont été ensemble, ont été venus avec une troisième résolution, ont été les résolutions techniques pour te permettre que la mission ça a été continuée, qui a duré 4 mois le temps pour te permettre les parties concernées de résoudre la différence là et peut-être n'abgarder. Est-ce que ce n'est pas CASA qui a présenté dans le dossier Haïti? Si, par exemple, on est arrivé en position côté mission, ça n'a pas renouvelé. Ça qui est très difficile parce qu'Haïti est en position côté présence des Nations Unies en Haïti, qui est très nécessaire. Si on considère appel qu'a lancé que ce soit à bord des États-Unis, ou bien même le gouvernement haïtien a demandé pour que le mandat ça aille renouveler chacun. Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe a suivi pour nous session qui a déroulé dans le Conseil de sécurité Nations Unies et la reprendre là vers 6 heures. Et donc, on y a ces breaks qui prend, moun yop manger. Et nous-mêmes, nous retournons dans le pays d'Haïti pour nous continuer avec l'actualité et avec quelques grands points qui dominent l'île, avec Massia Dovilme qui se correspond à nous dans Port-au-Prince.
Port-au-Prince, c'est la situation sociale et économique citoyenne qui a vu plus mal chaque jour plus. Une circonstance qui se résulte du phénomène d'insécurité. Côté dans différentes zones métropolitaines, il y a un groupe bandit qui a terrorisé la population. Ça, tout le monde est capable de constater depuis plusieurs mois dans Matissan et la zone qui est entourée. C'est le groupe civil armé qui a troqué le con. Ça qui force les habitants de quitter la caille. Banque commerciale, l'école, pompe gaz pour citer ça ou seulement qui dans la troisième circonscription a été fermée. Gen l'autre bandit au pillé et ça qui crase en bas mais force de l'audio dans le cadre d'opération à mener contre bandit. Il y a un phénomène d'insécurité qui est capable de gagner un gros impact sur le transport commun. Ça nous répéter après nouvelle qui fait qu'on est. Il y a une compagnie de transport qui fait Jérémy Port-au-Prince décidé pas entrer dans la capitale là encore. Une décision propriétaire compagnie prend après tentative kidnapping groupe gang cap évolué dans Matissan fait sur machine ni dans jour passé. Devant situation ça, association propriétaire ak chauffeur dans pays a PCH qui gen en tête li syndicaliste Meyu Changé annoncé une grève pour lundi 18 octobre cap venir là dans l'idée pour forcer autorité yo agir contre insécurité a. Toujours dans ça qui gen pour avec phénomène insécurité a fois ça c'est kidnapping gagné employé immigration ak émigration yo qui campé travail depuis mercredi 12 octobre passé a pour contester contre kidnapping qui fait sous collègue yo monsieur Johnson Joseph. Nous devons dire Monsieur Joseph pas seule victime qui est en bas mais kidnappé. Il y a un tout Monsieur Doré Del Larèche qui est directeur office assurance véhicule contretière annexe Petionville nèg exam kidnappé à jeudi 14 octobre là dans commune Croix des Bouquets. Autorité policière yo promet population pour tabler l'ordre et sécurité en dans pays a. PNH renouveler détermination li pour li bay population en service que li doué population a. PNH a demandé population collaborer ensemble avec lui. Et puis pour finir, c'est jeudi vendredi 15 octobre 2021 qui mettait bout dans mission bureau intégré Nations Unies dans pays à Bénin. Question en pile observateur a posé, est-ce que Conseil sécurité Nations Unies a bien pour renouveler madame mission ça pour l'année encore. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovime pour la Voix de l'Amérique. Il y a une question que nous connaît et après-midi là parce que session a retourné à 6h toujours dans actualité pays d'Haïti Force nationale pour démocratie FND il y a une coalition politique qui gagne la donne professeur Victor Benoît ancien sénateur Louis Gérard Gilles et ancien député Serge Jean-Louis avec divers lots oui structure ça a plaidé en faveur d'un accord unique pour résoudre crise politique là il y a un reportage Renat Toussaint. Ce député Serge Jean-Louis coordonnateur général structure ça a dit li appuyé communauté internationale là notamment les États-Unis d'Amérique qui soutenu démarche dialogue interhaïtien qui doit déboucher à un accord politique unique pour résoudre crise politique haïtienne tout acquis peuple haïtien qui depuis l'exister li gagne à partir des démarches unitaires met à le trouver dans l'histoire c'est ça que fait même dans courant côté me sorti sortir dans mon port évidemment nous toujours inscrits dans démarche unitaire pas qu'un problème c'est ça nous prenons pour gagner en démarche unitaire pour joindre un accord global par rapport à démarche premier ministre Ariel Henry entreprendre cadre de formation conseil électoral provisoire coordonnateur général FNDA ancien député Jean-Louis fait qu'on est pas qu'à gagner élection sans problème et sécurité hein, pas résoudre. Souvle, descendre la saline dans Konya là, sous candidat. Allez, gravine. Sous candidat dans l'US, vous pas capable de gravine. Vous pas capable de faire campagne. Quoi des bouquets? Donc, Delma 6, et quoi? Pour nous-mêmes. Cité Soleil, pour citer ça seulement. La Timothée ne peut pas tout. Donc, nous nous pays qui gangsterisé. D'ailleurs, Marie se dit insécurité à son insécurité générale ici. Pour nous-mêmes, nous rejeter d'un revers des mains toute démarche qui a parlé de la affaire de formation du conseil électoral. Pierre-Marie Ozi, qui est membre directoire Force nationale pour démocratie FND, quoi, c'est un impératif pour problème insécurité à kidnapping non résoudre. Nous tous les voir nous ensemble pour nous combattre le kidnapping. Non. Comité directoire permanent FND fixe position par rapport à la crise politique haïtienne. Non. Dans le moment où tu as présenté une nouvelle personnalité qui fait partie de l'équipe exécutive là, qui est là-dedans, représentant université, organisation féministe, société civile et diverses autres. Renat Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renat Toussaint. Mettez-moi sur nous. Donc, moi, c'est Dr Jean-Yves Ferdinand. Moi,
responsable, c'est le directeur médical de l'hôpital Lamoye. Donc, pour la Gonale, nous avons senti le tremblement de terre. Nous avons fait ces courses, mais malheureusement et heureusement pour nous, que nous n'avons pas eu aucun dégât qui était fait au point de vue matériel et humain. Donc, dans un moment là, donc, Zilea, plus ou moins, donc, au point de vue sécurité, donc, ils sont à côté équipe safe, donc, pas de problème de sécurité dans Zilea. Mais néanmoins, que la population, plus ou moins, que à cause de la pluie pas tomber, donc, il y a un petit problème alimentaire sur Zilea, mais Zilea a fonctionné plus ou moins normalement. Deux derniers mois de passé là, nous avons aux environs et 37 cas de coronavirus aux Iléa. Dans 37 cas, ça a donc 5 et morts. Par contre, nous avons 30 personnes qui étaient exilées et tout. Dans 37 personnes qui étaient hospitalisées, nous avons 30 qui allaient à la caillou, nous avons 5 décès que nous avons. Donc, actuellement, là, nous avons une démarche qui a fait que sous Iléa, le ministère de la Santé publique, pour aller venir faire une sorte de sensibilisation pour faire que les gens comprennent la nécessité pour ça prendre vaccin. Parce que je pense que si on prend vaccin, donc même si on a fait une forme de COVID, là, ça n'a pas fait une forme grave, là, donc ça a aidé la population. Mais l'hôpital là nous dispose, en pile, soit étant disposé pour prendre le vaccin. Donc l'État, le plus souvent, ils ont un pile matériel intrant tel que oxygène. Donc ils ont un pile carbone, un pile lit. Et l'État a un pile de personnel qui pour faire des pistages. C'est l'État qui emploie et qui paye. Après ça, l'hôpital là, bah, paye infirmières et médecins qui pour prendre en charge. Toujours sur la voie de la BKPM depuis Washington DC, c'était docteur Jean-Éric Ferdinand, qui est directeur de l'hôpital Wesleyan, dans Zile Lagonave, et nous pourrons retourner dans la question insécurité. Massado, tu as parlé de compagnie ça, qui est obligé de fermer porte-là, à cause question insécurité. Nous avons Mackinson Charles, depuis Grandas. Phénomène insécurité qui établit depuis un bon bout de temps dans la troisième circonscription Port-au-Prince, vin mettez gros qu'est cassé dans mitan population grandeur 16 ans qui a fréquenté route ça chaque jour. En même temps, vin paralyser plusieurs formes business qui a fait sous département. Du qui décide, une ampie ancien compagnie qui assurait transport au niveau département grandeur, annoncé de camper toute bus lio en attendant pour ouest si toutefois t'as gagné un mot qui dit pour troisième circonscription Port-au-Prince. Nous t'es rencontré avec quelques monde dans le local lio. Nous t'avons dit qui décide. Mais, on y a le propriété à ce camping camion là, à côté de la sécurité dans la rue, à côté de bandits, à côté de problèmes, mais c'est là qu'on a une nouvelle bandit, un message à bandit. Nous avons posé, pour assister 50 gouttes, parce que c'est un petit peu à l'eau pour nous. Nous voyons, nous allons voir, nous allons aller, nous allons bloquer, nous allons aller. Nous avons des voies bâties, chasse tout le monde, parce que nous avons des problèmes, nous quittons les cailles, nous. Nous avons des problèmes dans le service, nous allons écouter pour nous gagner. Nous avons des problèmes dans le chasse tout le monde, parce que nous allons faire. Problème insécurité et problème progressant, c'est quelque parmi priorités l'État a dû prendre en considération. Une façon pour la population grande 16 ans, tu es capable de reprendre l'activité comme ça doit. Nous avons demandé l'État, on a mis pour chercher 11 ans, comment vous gérer la situation malheureuse avec malheureux. Nous avons beaucoup de passer, nous passons en plus. Et en plus, nous avons fait n'importe quoi, car nous avons fait n'importe quoi. Parce que nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses, nous avons fait des choses, nous avons fait des choses. Il y a vraiment la vie d'année. Pour encourager, nous avons fait des choses. Mackinson Charles depuis Jérémy pour la Voix de l'Amérique. N'a quitté Grandans et lundi qu'a venu là, c'est pour le 17 octobre, anniversaire de la mort empereur Jean-Jacques Dessalines, qui a pile activité qu'a déroulé en Haïti et dans la diaspora. Et Jean-Michel Eleonore, c'est directeur Get Up Stand Up for Haiti, qui a tête une manifestation dans Washington, l'a expliqué. Lundi 18 octobre, Washington DC, dans Lincoln Memorial Park, nous, Get Up Stand Up, Adona et toute l'autre organisation qui gagnait dans les États-Unis, nous prenons Washington DC pour nous demander justice pour Haïti. Justice pour Haïti pour traitement ça que
peuple nous a joindre en bas pont Del Rio. Justice pour Haïti et pour gens de traitement que corps groupe mettait en Haïti pour pousser au dehors. Et puis qu'on y allait pousser au dehors, les arrivés dans frontière d'un pays avec États-Unis, mais qui traitement que au bayo. Yo même qui mettait peuple dans souffrance et puis yo même encore cap mettait le dehors. Pendant ce temps, plan yo c'est éliminer nation ça qui relait haïtien. Alors nous même get up stand up, nous dit non, nous pas tourner dans l'esclavage encore. Nous camper pour nous demander justice pour Haïti. Et là, nous disons justice pour Haïti. Ce n'est pas seulement faire manifestation camper là, non. Nous prenons demander justice pour Haïti. Et nous allons directement dans le gouvernement ça, okay, en Haïti. Et puis, il y a un Américain d'origine haïtienne participé dans le marathon Boston avec drapeau rouge et bleu dans le li. Journaliste Erlich Dorelas depuis Boston. 125e édition Boston Marathon qui est faite, je te l'ai dit, 11 octobre 2021, qui a attiré en pile participants. 15 736 athlètes dans la course là. Parmi les athlètes, il y a un athlète haïtien-américain qui répond au nom de Richard Pierre, qui était dit à la Voix de l'Amérique, pour quelle raison il choisit courir dans le marathon. Pour moi, il y a deux choses qui viennent. On te voulait remettre à la communauté, on supporte l'organisation qui est Bottom Line. Bottom Line is a non-profit that helps young. Bottom Line, c'est une organisation à but non lucratif qui aide étudiants qui n'ont pas de gros moyens. Moi, c'est première génération étudiant qui n'ont pas de gros moyens. Là, moi, dans le lycée, moi, j'ai fini l'étude classique. Moi, je t'ai aidé à aller dans le collège. Pour te participer dans Boston Marathon, hein, Richard Pierre, tu es obligé à le préparer physiquement pour te caler la course là. Moi, j'ai pris la décision pour me faire courir le marathon en juillet. Le commencement au mois de juillet, j'ai décidé de commencer à entraîner avec Marathon Coalition Group. Je travaille avec John Hancock. En bas de 3 mois, jusqu'à mois d'octobre. For everything that Haiti has been going through, you know, the earthquake. Moi, pense à toute bagaille qui arrive en Haïti. Tremblement de terre.